Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Et bonne année à toi, Mathias, bonne année à toutes et tous qui nous écoutez. Comment tu vas, Mathias, aujourd'hui? Très bien, bonne année com, bonne année à toutes les auditrices, auditeurs. Bienvenue en cette année 2024 avec, comme chaque année, beaucoup de choses. On a terminé très mal l'année, très mal par rapport au, si on regarde le monde un peu, c'était un peu déprimant, on va dire. Mais bon, ça nous encourage à être de plus en plus combatifs. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous retrouve pour encore une nouvelle année, en fait, d'Allo la Nupes. C'est le 25e épisode cette fois-ci. Donc, pour celles et ceux qui seraient potentiellement nouvelles ou nouveaux, c'est notre podcast sur pas mal de sujets de la circonscription d'Europe centrale, on pourrait dire. De la NUPES, mais bon, voilà, on traite de plein de sujets différents, des sujets concrets, des sujets un peu théoriques, des news de la circonscription, des news de France et tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu l'objet de ce podcast, de ce de en fait de cette émission. Il faudrait qu'on dise d'ailleurs de cette émission, c'est de renforcer les liens entre les personnes de notre circo, nous garder au courant et aussi bêtement nous éduquer sur certains sujets, quoi. Voilà. Et ça va être, je pense, toujours l'objectif pour cette année. Et du coup, bah écoutez, pour cette année-là, bon, on va pas vous parler du remaniement et tout ça, hein, pas beaucoup en tout cas, parce que vous en avez déjà eu plein les oreilles sans doute si vous écoutez un On ne peu saurait pas trop quoi en parler. Finalement, il n'y a rien de nouveau, non? C'est pareil, ça pas continue. grand-chose de Donc, nouveau, non, c'est sûr. Et bon, hein, l'écran de fumée de Rachida Dati à la culture a bien marché. On a tous bien compris que c'était le truc qu'il fallait commenter et pas commenter absolument que tous les autres ministres, les gros ministres entre guillemets, étaient restés. maintenant, Hein, j'ai quand même entendu que la ministre de l'Éducation, elle est en pleine polémique là, parce que et c'est que vraiment on vrai. demande sa démission parce que une, parce qu'elle envoie ses enfants au lycée privé, mais après c'est comme d'hab, les politiciens, plus ils se défendent et plus ils s'enfoncent parce que déjà elle a accusé, elle a dit c'est parce qu'à cause de l'absentéisme, mes enfants ils étaient dans le public et c'était trop mauvais, et tout, c'était terrible. Alors j'ai Oui. dû à cause de la mauvaise état de l'école. Et maintenant, en plus, apparemment, tu as les représentants de la FCPE et tout qui disent il n'y a jamais eu de problème dans notre établissement. Il y a même plein de gens du privé qui viennent chez nous parce que le public, le lycée public ou le collège, enfin l'établissement public du quartier, il est en fait très bon. C'est un quartier bourgeois, donc il n'y a aucun problème là-dedans. Donc, non seulement elle fait une bêtise, mais en plus, elle s'enfonce encore plus en essayant de se défendre. Ça Bah. rappelle vraiment des Ouais, politiques. ce qui me choque un peu dans toutes ces histoires, c'est que la façon dont elle l'a dit, c'est qu'elle a dit, mais vous comprenez, j'ai été forcé de faire cette décision-là parce que il n'y avait pas de remplacement et tout ça. Elle n'est pas forcée, elle est au gouvernement, elle est en responsabilité, tu vois. Enfin, c'est pas un cataclysme, un problème, une tornade ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais bon, voilà, ça me paraissait vraiment hallucinant, quoi, la façon dont elle la vit. Et voilà. Ouais, c'est ça, elle a balancé la seule école publique qui fonctionne bien, comme a dit. C'est clair, Et Gaël qui nous dit aussi que, ouais, l'Institut du gamin qui a témoigné qu'elle n'a jamais été absente. Ouais, tout à fait. voilà, donc Voilà. ils ont vraiment Franco. déjà, ils ont une idéologie horrible qui détruit tout, mais en plus, ils ont le chic pour en rajouter. Ne serait-ce que ils suivaient leur idéologie et ils étaient droits, ça serait déjà terrible, mais comme dit, en plus ils font, mais bon. Voilà. Ouais. Mais En tout aujourd'hui, cas, du coup,
On va pas pour des parler de nouvelles un ça, peu on plus va pas joyeuses, parler non ouais. plus encore des. On va juste mentionner cette année qui sera marquée quand même par les élections européennes hein, en juin. Du coup, là, ça concernera tous ceux qui sont dans l'Union européenne. Et Et inscrivez-vous! voilà, Inscrivez-vous inscrivez-vous, si vous pouvez soit dans le pays voter. local, en tout cas, si vous l'êtes déjà, ou alors si vous voulez voter en France, selon les endroits, c'est un peu différent. On va essayer de communiquer là-dessus. En tout cas, consultez les consulats, regardez les tournées consulaires aussi, les dates pour faire des, voilà, des démarches, des procurations, tout ce qui peut être utile. Hein, c'est vraiment le moment de, voilà, de commencer déjà à s'occuper de ça. Tout à Alors, Paul, fait, ouais. m'entends-vous sur le nombre de listes de gauche, nous dit Oui, Gaël, effectivement, ouais. c'est vrai que bon, ça c'est une déception pour pas mal d'entre nous, je pense, mais bon, Voilà. on a compris les arguments de chacun et de Déjà, chacune. Voilà, justement, avec le remaniement, on dit que voilà, c'est Attal qui se met contre Bardella et voilà, c'est le combat. Et il présente déjà le match entre les deux et les autres n'existent pas, quoi, en fait. Ouais. Voilà, bon, mais bon. Enfin, ouais, ça c'est Ouais. malheureusement c'est un peu ce qui va nous attendre. On essaie quand même que de rester Unis. les bras coudés, non les coudes, les bras Voilà, comme coudés, sur la pas du tout photo. ça. Exactement. Voilà. Voilà, donc on va essayer de rester soudés et puis on verra ce que ça donne, On y croit ce comme que ça Gaël. donne. Ouais. On y croit Exactement, comme Gaël. exactement. Mais du coup, le programme de ce soir, donc, d'abord, je vais vous passer une petite vidéo d'une interview que j'ai réalisée avec Mathilde Olivier, qui est notre très fraîchement élue sénatrice des Vertes et des Françaises et des Français de l'étranger. Donc voilà, on a pu parler un peu de ses premiers mois, au Sénat, un peu des différentes propositions de loi qu'elle a portées, et un peu de son ressenti et un peu des combats à venir pour l'année qui vient, tout ça. Donc ça c'était assez court comme interview. Bon, c'est quand même 25 minutes, c'est plus que la télé, hein, ça c'est sûr. On a eu le temps quand même vraiment de parler, mais on a voulu parler de beaucoup beaucoup de sujets à la fois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et toi Mathias, t'as prévu de nous présenter la distinction, c'est ça? Voilà, une bande dessinée donc de Tiphaine Rivière, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu, qui en fait est un livre central dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, mais également dans la sociologie en général, et qui parle des classes sociales, de leur différenciation à travers non seulement donc leur richesse, mais également à travers leurs mœurs et leurs habitudes, leur habitus. Voilà, on en parlera. Donc du coup, c'est un programme un peu plus court que d'habitude. Cette fois-ci, on commence tranquillement l'année. Mais bon, ça va être chouette quand même. Voilà, on fait tout le monde est en train de sortir malheureusement un peu de la maladie aussi parfois pour certains il y a eu pas mal de Covid, pas mal de grippe et tout ça pendant les périodes de fêtes. Donc voilà, on est les survivants avec avec Mathias et Ouais, on va essayer faut enjoliver cette journée qui apparemment est la journée la plus déprimante de l'année, non? C'est le bloom, c'est le Ah oui, troisième c'est lundi le. de janvier. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Donc si D'accord, aujourd'hui on n'est je pas savais pas déprimé, ça. c'est bon signe pour le reste de l'année, on Non, sera toujours mieux. ça va aujourd'hui pour moi. Ça va. Ok, bon, bah écoute, je te propose qu'on commence et puis je On peux y va. lancer un petit jingle et ensuite on va entendre, on va me réentendre et entendre Mathilde surtout. Allez, à tout de suite!
Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ici avec Mathilde Olivier que vous connaissiez peut-être comme suppléante d'Asma aux différentes aux précédentes législatives, mais aussi comme conseillère consulaire en Autriche et conseillère des Français des Françaises de Françaises et Françaises de l'étranger. Mais maintenant, tu as une nouvelle fonction et tu es fraîchement élue, on pourrait dire, au Sénat et tu es même la Benjamine du Sénat. Donc, c'est un plaisir de te recevoir encore, Mathilde, et tu vas nous parler un peu de cette fonction et notamment de tous les projets de loi que tu as pu défendre jusqu'à ce jour. Bah, déjà, bienvenue à toi, bienvenue de retour sur la NUPES Ouais, et c'est bonne année. Bonne année de combat. On va espérer que des trucs fonctionnent pour la gauche. On y croit. Moi, j'y crois pas mal. ouais. De toute façon, il faut y croire. Il faut avoir de Exactement. l'espoir. Mais espérons qu'en 2024, on ait une année où on gagne un peu plus de combats qu'en 2023. Mais Exactement. on commence Exactement. l'année avec espoir. Voilà. Et bah écoute, je pense qu'on peut commencer peut-être sur. Alors c'est des questions qui m'intéressent particulièrement. C'est un peu comment est-ce que ça arrive, comment ça se passe quand on arrive dans une institution comme le Sénat? Parce que toi, tu es la Benjamine du Sénat. On en a parlé un petit peu avant. T'avais pas forcément de connaissances ou de comment on écrit une loi et tout ça. Et je me demandais comment est-ce que ça se passe? Tu as été élu, bon, j'imagine, tu as reçu des appels de tout le monde, tout le monde est très content pour toi et tout ça. Et tu arrives au Sénat, qu'est-ce qui se passe? Tu as un vieux monsieur qui arrive avec une écharpe, qui te dit, voilà, c'est comme ça qu'on utilise l'application. Comment est-ce que ça se passe vraiment concrètement? Alors, il y a un peu de ça. On a une sorte de semaine de formation d'intégration. On arrive, on nous bombarde de plein d'informations sur le fonctionnement du Sénat, le fonctionnement de l'administration du Sénat, des rencontres avec les administrateurs voilà, du Sénat, la manière dont je dois gérer les différents aspects administratifs liés à notre mandat. Voilà, nos frais, notre équipe, voilà, tout ce volet administratif. Et puis en tant que Française de l'étranger, bien sûr, ça veut dire aussi passer pas mal de temps à Paris, donc tout le volet administratif. Et puis sans avoir vécu en France depuis un certain nombre d'années, donc tout le volet administratif aussi qui s'ajoute à ça. Et puis bien sûr, en parallèle de ça, le début du mandat parlementaire. Qui commence aussi assez rapidement, avec bien sûr des réunions avec notre groupe, alors donc pour moi les écologistes au Sénat la structuration du groupe. Donc nous, chez les écologistes, on est 16, donc on est le plus petit groupe du Sénat. Mais donc voilà, il y a tout un volet administratif et puis ensuite de commencer à structurer ce qu'on veut faire sur les premiers mois. Et en fait, on commence très très rapidement parce que, et notamment dans le cadre de cette mandature, on a commencé par le... Enfin, bon, moi j'ai eu d'autres sujets typiques de la droite au Sénat. J'ai fait ma première intervention, ma première intervention à la tribune dans l'hémicycle sur l'interdiction de l'écriture inclusive, donc un texte qui avait été proposé par l'extrême droite à l'Assemblée nationale, reproposée dans des termes un peu différents, mais bon, en gros, c'était la même chose par la droite au Sénat. Donc, c'était un texte complètement démagogue sur lequel c'était important que nous, on se positionne et qu'on affirme nos positions qui à gauche, enfin, en tout cas, moi, je suis totalement pour l'utilisation de l'écriture inclusive. Et donc, aussi remettre un peu de vérité sur ce que c'est utiliser l'écriture inclusive et pourquoi c'est important aujourd'hui. Que de mettre en place l'utilisation de l'écriture inclusive, mais bon, ça a commencé sur un texte, voilà, assez difficile. Et puis ensuite, on a enclenché très rapidement sur le projet de loi immigration, qui est passé en première, donc qui est passé en première lecture au Sénat. Puis ensuite, projet de loi de finances de la sécurité sociale et projet de loi de finances qui prennent un gros bout de la fin de l'année. En général, voilà, à l'Assemblée, au Sénat.
au Parlement, quoi, et qui sont des textes, vraiment des textes très importants, avec des temps de discussion qui sont aussi énormes. Donc, ça veut dire vraiment une très grosse intensité de travail parlementaire sur cette fin d'année. Mon premier déplacement, j'ai fait avec Mélanie Vogel, l'autre sénatrice écologiste des Français de l'étranger, en Tunisie aussi. Donc voilà, donc un début d'année bien chargé. J'en ai pas parlé, mais pour revenir sur, parce que tu posais un peu la question de comment ça se passait, écrire une loi, tout ça. Je siège aussi, c'est aussi la période pendant laquelle on discute, on négocie nos places dans les différentes commissions du Sénat. Ah oui. Moi, je siège en commission culture. Donc, c'est une commission, je dis culture, mais en fait, c'est une commission qui regroupe un panel de sujets. Donc, culture, éducation, enseignement supérieur et recherche, Ah d'accord, c'est large. vie associative. Donc, on a plein de sujets très intéressants à traiter dans le cadre de cette commission. Et je suis présidente de la commission des affaires européennes, qui est une commission un peu transverse qui traite, voilà, qui fait un peu le lien entre les lois adoptées au niveau européen, les règlements, les directives, et puis ce qui va être transposé dans le droit français, et puis aussi suivre D'accord. voilà, ce que fait le gouvernement au niveau européen. Donc, Je voilà. vois, je vois. Et du coup, comme tu es à la fois dans la commission culture, dans la commission européenne en tant que présidente, comment est-ce que tu arrives à gérer tous ces sujets-là? Est-ce que tu as une équipe de collaborateurs autour de toi? Comment ça se passe exactement? Est-ce que vous répartissez les tâches en fonction du groupe? Est-ce que tu aussi, est-ce que tu as pas mal de collaboration avec d'autres sénateurs de gauche, notamment les socialistes ou par exemple, ou les communistes? Je me demandais un peu tout ça. Ouais. Alors, donc oui, on a chacun une petite équipe de collaborateurs et on travaille donc avec eux pour structurer bah, nos mandats. Donc voilà, oui, on se répartit les sujets en commission. Après, la difficulté, c'est qu'en étant des petits groupes comme enfin un petit groupe comme nous, les écologistes, ça signifie être quand même très pluri, enfin voilà, pouvoir devoir gérer un certain nombre de Oui. sujets en parallèle, puisque en étant deux, et je t'ai fait la liste des sujets, et j'en ai oublié, ouais, j'ai oublié patrimoine par exemple. Il y a sur tout ce volet, tous ces sujets, bah, nous il faut qu'on se les répartisse à deux, puisqu'on est deux sénatrices écologistes au sein de Ouais. la commission. Ensuite, oui, on travaille avec les autres groupes d'opposition de gauche, les socialistes, les communistes au Sénat, que ce soit sur les propositions de loi. En général, on a une petite discussion, ou alors même sur notre positionnement sur les différentes missions pour le projet de loi de finances, par exemple, parce qu'en fait, le projet de loi de finances, c'est organisé avec différentes missions, différents programmes budgétaires, voilà, quoi, du budget de l'État. Donc, on a des petites discussions pour savoir comment on se positionne les uns les autres et essayer d'avoir une position un peu cohérente entre groupes au Sénat. Donc voilà. D'accord, je vois, je vois. Et est-ce que tu as pas mal de liens aussi, j'imagine, bah comme il y a pas mal de députés, notamment écologistes, mais de toute la NUPES à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a aussi du travail qui se fait pas mal en commun, notamment sur le PLF, le projet de loi de finances, pardon, et tout ça? Est-ce que... Ouais, tout à fait. Alors, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'essayer de se faire enfin, d'avoir un continuum dans ce qu'on dépose à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le fonctionnement des assemblées font que, bah, actuellement, en fait, au Sénat, on peut avoir quand même des débats parfois plus longs sur, enfin, sur les projets de loi et les propositions de loi et sur, comment dire. Enfin, là, par exemple, sur le projet de loi de finances, parce que à l'Assemblée nationale, ils se font couper par des 49-3 tout le temps. Donc, en fait, nous, on arrive à avoir les débats et à avoir des votes aussi parfois qu'à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à avoir sur certaines propositions. Et il y a certaines choses aussi qu'on arrive à, enfin, sur lesquelles, en fait, on arrive à trouver des consensus au sein du Sénat. Donc, typiquement,
et de faire ce continuum. Mais ça montre un petit peu l'importance de certaines propositions, de certains amendements qui peuvent être déposés. Par exemple, on avait, pour donner voilà, un exemple, il y avait un amendement, enfin, il y avait une proposition du gouvernement d'une niche fiscale pour la FIFA, entreprise multimillionnaire, milliardaire même peut-être, qui fait des profits énormes chaque année. Et donc, le gouvernement, pour faciliter, pour attirer la FIFA en France, allait proposer une niche fiscale à la FIFA pour s'installer avec des exonérations fiscales importantes. Et bien là-dessus, il y avait un consensus au Sénat sur le rejet de cette proposition, un amendement pour supprimer cette disposition. C'était accepté unanimement. À l'Assemblée nationale, ils étaient sur le même positionnement que nous. Alors le gouvernement, c'est toute la difficulté du fonctionnement de nos institutions aujourd'hui. Le gouvernement, il fait son 49-3, il prend les mesures qu'il veut. Donc ça, ils sont bons. L'Assemblée, les assemblées, le Parlement est pas d'accord avec moi, mais je vais quand même reprendre ma mesure. Ouais. Donc c'est quand même problématique et il faut absolument qu'on soit présent derrière pour regarder ce qui est passé ou pas et qu'on continue le combat même si les amendements ne sont pas passés. Et finalement, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc c'est voilà sur la question de l'égalité devant l'impôt. Donc voilà, normalement cette mesure par exemple devrait pas être mise en place. Et ça revient à un autre sujet dont je crois que tu voulais qu'on parle, par exemple sur les enfants à la rue. Ça a aussi été un sujet, c'était aussi un sujet du projet de loi de finances. D'accord. Sur lequel on a voulu essayer de faire ce lien entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que c'est un sujet qui avait été porté à l'Assemblée nationale par plusieurs députés écologistes, notamment Marie-Charlotte Garin, députée de Lyon, et Charles Fournier, député de Tours, qui étaient dans des situations dans leur ville. Et globalement en France, hein, y a vraiment une urgence face à des familles entières qui sont à la rue, qui sont hébergées par des collectifs dans des écoles. Charles Fournier a mis en place une action pour accueillir dans sa permanence parlementaire à Tours des familles qui dormaient à la rue. Et donc l'idée, c'était de se faire l'écho au Sénat de ce qu'ils avaient porté à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ils avaient eu aussi, et c'est vraiment important de demander, ils avaient réussi à faire voter cette proposition d'ouvrir 10 000 places d'hébergement d'urgence en commission finance. On parle de 3 000 enfants qui dorment à la rue. Donc, c'est énorme, c'est les chiffres de l'UNICEF. Hein. Donc, c'est énorme voilà, en France. Et puis surtout que ça a été quand même une priorité du gouvernement en 2017 et d'Emmanuel Macron, qui disait que personne ne dormirait à la rue. Donc voilà, nous, c'était hyper important. Et en fait, ça a doublé finalement le nombre de personnes à la rue. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait le gouvernement qui avait fait une annonce récemment de 10 000 nouvelles places de logements d'urgence, etc. Est-ce que tu peux... Tu as des détails un peu sur ce chiffre-là ? Est-ce que c'est juste... est-ce que c'est une vraie annonce ou est-ce que c'est juste des trucs qui étaient prévus et ils ont rajouté 10 places et puis comme ça, ils ont un nombre qui fait chic, etc. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus ? Ouais, alors, nous, on est contents. En fait, donc, le gouvernement a annoncé 120 millions d'euros supplémentaires pour l'hébergement d'urgence. D'accord. Donc, 120 millions annoncés en tout début d'année, là, 2024. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi cette annonce, elle n'a pas pu être faite avant et pourquoi le travail du Parlement, là encore, n'a pas été respecté. Parce que s'ils avaient 120 millions, c'est tant mieux, hein, c'est ce qu'on demandait d'avoir... d'avoir une somme supplémentaire pour pouvoir gérer l'hébergement d'urgence. Donc pourquoi, dans les arbitrages du gouvernement, ils n'ont pas pu le faire dès le vote du projet de loi de finances au Parlement. Voilà, c'est une première chose. D'accord. Ensuite, sur l'annonce, pour l'instant, c'est vraiment une annonce qui a été faite, mais on n'a pas la ventilation de ces 120 millions, donc je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus. D'accord. En tout cas, juste dire que le sujet reste prégnant aujourd'hui. Et on continue de se mobiliser avec tous les sénateurs de gauche et les députés de la NUPES pour l'obtention de places d'hébergement d'urgence supplémentaires et dans la situation actuelle, là, ces dernières semaines, La vague de froid. Ouais. Voilà, avec la vague de froid, il y a plein de gens dans la rue, il y a des personnes qui sont décédées là ces derniers jours. Donc, il y a la mobilisation continue. Et le groupe, il me semble que c'est le groupe Insoumis à l'Assemblée nationale qui allait porter plainte contre le gouvernement
voilà, sur cette question des personnes qui dorment à la rue, pour Ah nous. oui, pour non-assistance de personnes en danger, c'est ça. D'accord, Donc, d'accord, voilà, d'accord. la mobilisation continue sur ce Ouais. sujet qui est la partie émergée d'un iceberg énorme de la précarité en France qui monte. Oui, Et complètement. là, voilà, c'est le plus urgent qu'on note, mais c'est un des marqueurs de cette précarité toujours plus Ouais, monstrueuse. oui, et puis il y a plein d'associations, notamment l'association Abbé Pierre, quand même, qui est reconnue pour son travail de tous les bords politiques d'ailleurs, hein, qui sonne l'alarme depuis un bon moment. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet extrêmement important. Et tu parlais de précarité, justement. On peut faire le lien avec ton autre proposition de loi, qui était sur la précarité étudiante, que tu as présentée le 13 décembre au Sénat. Est-ce que tu nous peux nous parler un peu plus, bon, le contexte, on l'a déjà un peu donné, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte? Qu'est-ce que c'était l'importance? Et puis un peu le résultat, qu'est-ce que ça a donné? Et surtout, qu'est-ce que ça peut être la suite Oui, alors cette proposition sur la précarité étudiante, l'idée c'était de proposer une allocation universelle d'autonomie d'études. Donc D'accord. l'idée de cette allocation, c'est une demande des organisations étudiantes depuis très longtemps déjà, c'est d'avoir une sorte d'allocation étudiante qui puisse permettre à tout le monde en France aujourd'hui d'accéder à des études et de les faire dans des bonnes conditions. Ouais. Voilà, en partant de ça, juste pour dire, en fait, les groupes au Sénat peuvent déposer deux propositions dans ce qu'on appelle une niche. On a la niche écologiste qui était donc le 13 décembre et dans laquelle on peut déposer deux projets de loi. Donc, cette proposition autour de l'allocation universelle d'autonomie d'études a été déposée dans le cadre de cette niche écologiste. Donc, c'était une des priorités qu'on voulait mettre à l'agenda du Sénat. Malheureusement, elle n'a pas été acceptée, elle n'a pas été votée, mais c'est une proposition qui est très intéressante. Pourquoi elle est vraiment essentielle aujourd'hui? C'est que la précarité étudiante, voilà, un autre sujet qui monte on l'a vu pendant le Covid, ces files alimentaires de jeunes qui ne pouvaient plus se nourrir, mais en fait, ces files devant les distributions alimentaires. Mais en fait, ces demandes pour la distribution alimentaire, elles ne se sont pas arrêtées avec la fin du Covid. Et on a Ah, ça toujours continue, énormément de jeunes qui se retrouvent en situation de précarité alimentaire. Aujourd'hui, il y a plus de 40% des jeunes qui disent, enfin des étudiants, qui disent ne pas enfin sauter certains repas parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir. La précarité énergétique, elle est aussi énorme. Voilà, précarité dans l'accès au logement, dans l'accès à des logements sains. C'est un sujet aussi important, la précarité voilà, dans l'accès aussi à la santé. Et globalement, en fait, on se rend compte que quand des étudiants travaillent, parce que c'est toujours en général, ce que les conservateurs vont nous répondre, c'est oui, mais bon, ils peuvent travailler à côté de leurs études, c'est possible. Voilà. En fait, ce qu'on note, c'est que quand des étudiants travaillent plus de 10 heures par semaine, eh bien, on note une chute du taux de réussite dans les études. Oui, Et clairement, complètement. les personnes qui doivent travailler plus de 10 heures par semaine, ou même qui doivent travailler tout court, eh bien, elles sont désavantagées dans le fait de faire des études. Elles sont désavantagées dans leurs résultats éducatifs. Et donc, en fait, on additionne les inégalités. Les inégalités dans l'accès aux études et dans l'accès à la réussite de ces études. Donc, Oui, on a organisé un complètement. colloque avec un grand nombre d'organisations étudiantes qui sont actives à différents niveaux, des syndicats, des organisations de la vie étudiante, des organisations qui font de la distribution alimentaire et du soutien aux étudiants en situation de précarité. Et c'est bien ce qu'ils nous ont dit, c'est que tout le monde attendait aujourd'hui qu'on repense notre modèle de soutien aux étudiants, parce que le système de bourse étudiante aujourd'hui, il ne fonctionne plus, puisque là, je parlais du chiffre de la précarité étudiante. En fait, il y a plein d'étudiants qui ne sont pas boursiers et qui indiquent être dans des situations de précarité alimentaire. Et c'est vraiment un chiffre important. Ce n'est pas une minorité, c'est vraiment
une part importante des personnes qui vont qui ont besoin de participer à des distributions alimentaires, qui ne touchent pas de bourse. Et moi, j'ai participé à des distributions alimentaires, je suis allée rencontrer des étudiants, discuter avec eux de leurs difficultés, et c'est vraiment ce que j'ai noté, c'est que les étudiants avec lesquels je parlais, eh ben, c'était des étudiants qui n'avaient pas accès à des bourses, et enfin un certain nombre d'entre eux. Donc voilà, ça a été Je vois. Ouais. Bah, merci pour ça en tout cas, parce que c'est quand même deux combats, que ce soit la création de logements d'urgence et la précarité étudiante, c'est deux sujets malheureusement trop d'actualité, beaucoup trop d'actualité. J'avais une dernière petite question avant de te libérer, parce que je sais que tu as pas mal d'engagement aujourd'hui. Est-ce que tu peux continuer un peu à suivre ce qui se passe au niveau des Françaises et des Français de l'étranger? Et notamment au Sénat, est-ce que tu as vu passer des lois qui sont un peu potentiellement un peu dangereuses? La dernière fois, Mathias avait parlé dans Allo la NUPES de différents amendements de petits de notre député. Mais voilà, quel un peu avenir tu vois au Sénat depuis ton siège du Sénat sur les Françaises et les Français de l'étranger? Ouais, alors c'est parfait, je voulais aussi y revenir parce que là on a parlé surtout de politique nationale et bien sûr que nos mandats on les mène aussi avec un volet local, un volet circonscription important avec les spécificités des Français de l'étranger, des sujets qu'il faut qu'on porte aussi pour les Français de l'étranger. Et c'est quelque chose qu'on note au quotidien, c'est une part importante aussi de nos mandats que de nous déplacer dans la circonscription. Là je suis en déplacement, je suis en Suisse pour le premier déplacement en Suisse, première communauté française à l'étranger, enfin voilà, notamment Genève. Et oui, donc sur les propositions pour les Français de l'étranger, on a fait un certain nombre de propositions. Je sais pas ce dont Mathias avait parlé en termes de sujet. En tout cas, moi ce que je peux te dire sur les choses qu'on a défendues. Dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a plein de sujets, notamment autour de la retraite. Alors, ce n'est pas passé, mais on avait vraiment la volonté d'avoir un rapport et de nouvelles informations sur les inégalités dans l'accès à la retraite pour les Françaises et les Français de l'étranger, qui est un sujet qu'on connaît depuis pas mal de temps, sur lequel le gouvernement dit qu'il va faire des choses, et pour l'instant, on ne voit rien. Donc, voilà, nous on continue la mobilisation pour que les Français de l'étranger aient une égalité dans l'accès à leur retraite et à une retraite décente. Donc on a vraiment porté ça au Sénat. Il y a un amendement qui est passé sur la caisse des Français de l'étranger qui est ça concerne moins les personnes en Europe, mais plutôt disons hors Europe, avec l'accès à une sécurité sociale en fait à l'étranger et l'accès aux soins de santé à l'étranger. Et cette caisse des Français de l'étranger, elle est dans une situation financière qui est pas, enfin, et des dynamiques qui sont pas évidentes. Donc, l'idée c'était d'avoir un soutien supplémentaire du gouvernement parce qu'elle a un certain nombre de missions de service public et de permettre à des personnes dans des situations notamment de santé pas évidentes de pouvoir accéder à une sécurité sociale en étant à l'étranger, une sécurité, Donc c'était avoir une subvention supplémentaire pour cette caisse des Français de l'étranger. Donc ça, on a obtenu une augmentation. Nous, une demande très forte qu'on avait avec les parlementaires de gauche, c'était une revalorisation des bourses scolaires. Parce que là, on ne sait pas comment cette année ça va se passer sur les bourses scolaires. Parce que on est dans une situation avec des budgets de bourses scolaires qui sont pas du tout suffisants pour couvrir les moyens, et puis il y a plus de réserve. Il y avait une réserve, bon, je rentre pas dans les détails, c'est un peu technique, mais il y avait une sorte de réserve qui permettait de compenser un peu ces dernières années, et maintenant cette réserve est à zéro, et donc du coup on ne sait pas comment le ministère va adapter ses moyens. C'est ce qui nous a amené, nous les écologistes, à voter contre la mission du budget sur les Françaises et les Français, enfin sur les budgets des Français de l'étranger. Oui, il y avait une petite augmentation du programmes pour les Français de l'étranger, programme 151-185, mais en fait ces augmentations, elles sont pas du tout suffisantes pour répondre aux situations de plus en plus problématiques qu'on voit, que ce soit sur les bourses scolaires, les aides sociales, et voilà, ouais. C'est pour nous pas suffisant, et donc c'est pour ça qu'on a voté
contre ce budget. D'accord, ouais. Et c'est important parce que c'est sûr que les lycées français sont quand même dans un super, super cher pour pas mal de familles et qui peuvent vraiment pas se permettre ça. Et dans certains pays, malheureusement, ça pourrait être une bonne solution pour différentes familles. Mais ouais, c'est l'accessibilité de ça. Ça devrait quand même être un service rendu à l'État par les Françaises et les Français de l'étranger. Et malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, en plus de toutes les coupures, tout le robinet qui se ferme un peu au niveau des ambassades et des consulats, ça reste compliqué. Ouais. Bon, bah écoute, Mathilde, en tout cas, merci à toi. On espère pouvoir te retrouver bientôt aussi dans différentes villes de la circonscription. Donc, n'hésitez pas à suivre Mathilde sur tous les réseaux sociaux. Mais, Et voilà. juste pour conclure, comme juste dire un Ouais. truc, c'est que ça reste quand même une situation aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation au Parlement, elle est parfois difficile, parfois déprimante. Voilà, avec le projet de loi immigration, franchement, et puis les autres sujets dont on a eu à travailler Ouais. ces derniers mois, bah c'est difficile et c'est difficile d'être dans l'opposition. Et donc, moi, la manière dont je vois mon mandat et je pense la manière dont je dois travailler, c'est un pied dans l'institution et un pied en dehors. Et on doit continuer à faire avancer nos idées et à faire avancer nos batailles, la bataille culturelle, pour que nos idées eh ben, redeviennent majoritaires en France. Et vraiment, moi, c'est tout l'enjeu de la manière dont j'ai aussi envie d'exercer mon mandat depuis que je suis là. Et c'est toujours avec plaisir que je viendrai à la NUPES et que je viendrai rencontrer tous les militants dans la circonscription. Bah super, ça fait un super mot de la fin du coup. Merci encore à toi Mathilde et bah écoute, on te retrouve bientôt, on espère. Et puis bon courage à toi pour tous les combats que tu mènes. Et voilà, écoutez, merci à tous, toutes et à tous d'avoir écouté et on se retrouve bientôt sur Allo la NUPES. Salut. Ciao, et nous revoilà. On espère que ça vous a intéressé. Et bah écoutez, on va continuer notre émission. merci quand même pour l'interview, hein, et ça fait ça, Ouais. je trouve ça fait ça fait bizarre d'avoir une sénatrice entre guillemets normale. Bah oui, parce qu'on la connaît, nous, d'avant, quand même. On Donc la c'est vrai que connaît, puis c'est. elle est normale. Enfin, c'est pas quelqu'un. On a l'habitude. Ouais, Et du ouais, coup, ouais. ça fait du bien, un peu, ça rafraîchit. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, bah, je pense que les combats là qu'elle a menés, les deux, trois combats qu'elle mentionnait, je pense que c'est des choses où tout le monde peut se retrouver à gauche, en tout cas, quoi. Enfin, combat sur la précarité, ça devrait être un peu notre béaba aussi, quoi. En tout cas. Et c'est sûr que, ouais, non, comme tu l'as dit, c'est chouette d'avoir des sénatrices et des sénateurs dynamiques et bah surtout que casser un peu l'image de ce vieux monsieur en costard qui a fait 50 ans dans sa ville et qui est maintenant au Sénat et je sais pas quoi. Bon, c'est vraiment le stéréotype, le cliché, mais il y a un peu de vrai quand même parfois. Je me souviens, Exactement. j'en ai rencontré deux trois, c'était un peu ça quand même. Même Mais si, en fait, ouais. j'ai quand même défendre les autres sénateurs. En fait, on a reçu presque tous les sénateurs et sénatrices à l'ONU NUPES, français de l'étranger, non? On a reçu Sans doute, ouais. Hélène Conway-Mouret, on a reçu Yann Chantrel, et on avait reçu Ouais, la collègue de Mathilde. Mélanie Vogel. Voilà, Mélanie Vogel, voilà. Voilà, Donc, tout à c'est vrai fait. qu'ils ont tous Mais bien. ça, c'est les sénateurs de gauche qui sont Oui, tous les modernes. sénateurs de gauche. Ouais. C'est ça, c'est. Voilà. Non, non, mais c'est bien justement de casser un peu ces images. C'est pour ça que je tenais à poser des questions à Mathilde sur comment elle est arrivée au Sénat, comment elle a pu se mettre au travail, etc., avec qui et tout ça. Parce que je pense que c'est important d'un peu de, comment dire,
pas de, j'allais dire de dédramatiser, c'est pas tout à fait le mot que je cherche, mais de Désacraliser un peu. vulgariser, voilà, désacraliser un peu la fonction du sénateur pour dire, bah voilà quoi, Mathilde, nous, elle a milité avec nous, on la connaît, et elle fait un super boulot en sénatrice, elle avait pas de notion de droit public ou des choses comme ça, de ce que je lui ai demandé. Et voilà quoi, elle fait son boulot de sénatrice, et on la voit dans les médias et tout ça. Donc voilà, faut pas penser que c'est une caste de gens complètement hors sol et tout ça. Malheureusement, ça peut rester le cas un peu trop souvent, mais on a la chance d'avoir Mathilde qui justement c'est pas du tout son gars et qui donne un super exemple, je pense, pour pas mal de monde quoi. Voilà. Et du coup, sur ce, on peut passer, je te propose, à la chronique culture. Voilà, avec Et un super générique, non? ouais, j'ai essayé de faire un nouveau générique, donc on va voir ce que ça donne. Et puis, on se retrouve après le petit jingle chronique culture. Allez, ciao! Ah, je suis Un fan, peu je suis fan. kitsch Je suis fan. quand même. C'est trop fort. Allez. Ok, Je te laisse du coup, Mathias. Tu vas nous parler d'accord. d'une BD. Voilà, moi je voulais vous parler de ça, d'une bande dessinée, La Distinction de Tiphaine Rivière, librement inspirée du livre de Pierre Bourdieu. Donc on voit à l'écran la première page, donc avec différents personnages de cette BD. Voilà, c'est de quoi ce que je voulais parler. L'histoire de la BD, c'est un prof en fait qui arrive un jeune prof qui arrive au lycée et qui fait lire à ses élèves lycéens, lycéennes le livre et donc qui crée en eux une réaction et puis une prise de conscience. Et bon, tout le livre, c'est un peu ça quoi. C'est les élèves qui discutent sur le livre, voient leur entourage et bon, ils réfléchissent là-dessus. Alors, il s'agit de quoi déjà le livre original de Pierre Bourdieu? Déjà, c'est un livre central en fait dans son œuvre, mais également pour la sociologie en général, puisqu'il a été considéré en 1998 par l'Association internationale de sociologie comme l'un des 10 livres de sociologie les plus importants du XXe siècle. Voilà, donc pour dire, c'est pas rien. Et l'idée principale, c'est dire que eh ben, nos goûts, nos désirs, nos aspirations ou nos valeurs, donc en fait, tant notre façon de manger que de se faire des amis, de partir en vacances, de s'habiller, de décorer sa maison, de faire du sport, de cuisiner, de s'amuser, de voter. En fait, tout cet ensemble d'habitudes et de comportements que l'on nomme l'habitus, il est façonné par la classe sociale dans laquelle on est. Car, en fait, ce qui nous constitue le plus fortement, c'est ce que nous apprenons pendant notre socialisation primaire en famille. Et comme notre famille occupe une position donnée dans l'espace social, eh ben, l'habitus, il est au cœur de la reproduction sociale. Donc, Bourdieu, il décrit en fait tout cet habitus de différents groupes sociaux que l'on va voir et il résume tout ça, enfin, c'est pas lui qui résume tout ça est résumé dans un graphique que je vais vous montrer. Un graphique, je vais voir si j'arrive à le mettre à l'écran là, voilà. Un graphique que voilà. Qui a été réalisé par Nicolas Lardot. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans un axe vertical le capital total. C'est-à-dire, le capital total, c'est en fait pour Bourdieu, il y a trois différentes sortes de capital. Donc, il y a le capital économique, voilà, la richesse, grosso modo, pour dire vite fait. Le capital culturel, qui est donc toute notre connaissance de la culture, enfin surtout de la culture, de la bonne culture, on va dire, les classiques littéraires, la musique, les arts, et puis également notre manière, nos mœurs, notre façon d'être. Et puis le capital social aussi. Et là, il s'agit de nos relations, voilà, tout notre réseau de connaissances que l'on a depuis l'enfance, à travers peut-être l'école où on était, à travers le travail. À travers et qui souvent en fait peuvent nous aider avec des conseils, avec des petits tips très très utiles parfois.
Donc, plus on est en haut, plus on a de capital cumulé, c'est 3 quotas au total, et plus on est en bas dans le graphique, moins on a de capital. Et sur l'axe horizontal, ce que l'on voit, c'est la relation entre le capital culturel par rapport au capital économique. Donc, plus on se situe à gauche, plus on a de capital culturel par rapport à son capital économique, et plus on se situe à droite, moins on a de capital culturel par rapport à son capital économique. Et si on se situe au milieu, ben on a plus ou moins moitié-moitié. Et alors, dans ce graphique, voilà, sont placés différents groupes. Donc, on voit vraiment plein de choses, des patrons d'industrie, des petits commerçants, artisans, exploitants agricoles, voilà, instituteurs, artistes, professeurs supérieurs, professions libérales, techniciens, ouvriers qualifiés, voilà, plein de sortes de professions, surtout des professions. Et puis, on voit également des goûts, en fait, les goûts et puis les mœurs de certains. Donc, on voit la marche, la montagne, les échecs, le piano, l'équitation, le champagne, la pétanque, la bière, voilà. Et tout ça, c'est placé plutôt proche de certaines professions et qui sont, voilà, les habitudes ou les goûts de ces professions. Et on voit également un arc de cercle, donc toute une partie de catégorie qui a tendance plutôt à voter à gauche et toute une catégorie qui a plutôt tendance à voter à droite. Voilà, donc ça, c'est un graphique qui est assez amusant, je trouve, de voir. Certaines choses, on les reconnaît. Il faut bien préciser, bien sûr, que ce sont des raisonnements qui s'appuient sur les statistiques, hein. C'est-à-dire, si 80% d'une catégorie de gens agissent de la même manière, ben on se demande pourquoi ils agissent. C'est sûrement pas à cause du hasard. Bien sûr, individuellement, si on prend les individus, voilà, c'est beaucoup plus complexe. Chacun est quand même unique et voilà, a sa vie qui est différente. Donc, ça, c'est déjà pour définir l'habitus et la conséquence de cet habitus, c'est que à travers lui, il nous fournit une évaluation en fait inconsciente de notre destinée probable, de ce que nous sommes en mesure d'obtenir dans la vie. Et donc, ce qui conduit à chacune et à chacun de prendre non pas ses désirs pour des réalités, mais au contraire, de prendre la réalité pour ses désirs. Par exemple, voilà, moi, je sais que dans ma vie, j'aurai jamais un château, 2 appartements à Paris, un yacht et voilà, et 3 Ferrari, on va dire. Et comme j'en suis très conscient, alors du coup, je me dis, non, en fait, j'ai pas envie, ça sert à rien, c'est nul d'avoir ça. De toute façon, à quoi ça sert d'avoir une maison qui toute l'année est vide et ça pollue. Et du coup, alors, j'ai déjà incorporé cette limite que je peux pas avoir. Donc, du coup, j'adapte mes goûts à cette limite. C'est un peu l'idée qui est derrière ça. Et ce concept de ne pas aimer ce que de toute façon on ne peut pas avoir, en fait, on le nomme le goût de nécessité. Le goût de nécessité. Les classes très, 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 très riches, en fait, elles n'en ont pas du tout, puisqu'elles n'ont aucune nécessité. Elles sont totalement indépendantes de la nécessité économique. Et donc, elles ont vraiment la liberté de savoir ce qu'elles aiment, de décider ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Alors que bah, plus on descend et plus on est contraint d'aimer quelque chose, puisqu'on sait que le reste, on ne pourra pas l'avoir. Et à la fois, dans ces différents comportements, ces différents habitudes, ils sont bien évidemment classés. Il y a une hiérarchie sociale dans la société que tout le monde incorpore inconsciemment. Tout le monde l'a dans la tête. Il sait très bien que les bonnes mœurs, bien manger, parler doucement, sans crier, eh ben ça, c'est ce qu'on appelle les bonnes mœurs. Mais en fait, finalement, ce sont les mœurs des classes dominantes, mais que tout le monde a accepté comme étant quelque chose de naturel, de bien. Voilà. Et alors les pauvres, eux, s'ils veulent avoir l'air bien, ben, ils doivent suivre bien les règles. Alors que les riches, eux qui connaissent ces règles tellement bien, pour eux, ce sont comme une seconde nature, ils peuvent justement se permettre de les enfreindre. Ils auront toujours, entre guillemets, la classe, ça ne fera jamais tâche, parce que ce seront des rebelles, des gens un peu bohèmes, mais voilà. Ils n'auront pas l'air aussi bêtes qu'un pauvre qui ne respecte pas ses règles. Donc, pour conclure, donc la dimension symbolique du social, elle ne reflète pas donc à
à travers toutes ces mœurs, ces habitudes, elle ne reflète pas seulement les inégalités, mais elle contribue à les produire et à les reproduire. Alors, dans ce livre, le prof, en fait, au tout début, il demande aux élèves, il leur pose la question, est-ce que si un membre des classes populaires devient riche, est-ce qu'il fait immédiatement partie des classes dominantes ? Et après, il encourage ses élèves à partir de l'alimentation, à enquêter un peu chez eux, à demander à leurs parents comment ils s'alimentent, pourquoi, où est-ce qu'ils vont acheter, à quoi ils font attention. Et voilà, et tout à coup, les enfants, ils prennent conscience que, oui, effectivement, ça correspond à ce qui est décrit par Bourdieu selon leur classe sociale. Et je peux vous donner je voulais vous montrer un petit extrait aussi, c'est tout à la fin. Du coup, ils se forcent à aller au musée, surtout trois jeunes de la classe qui sont des milieux populaires. Ils se disent, s'il dit que le musée, ce n'est pas pour nous, on va y aller quand même. Et je vais vous montrer un petit peu ici les images. Donc, comme ça, vous voyez un peu l'esthétique du livre. Voilà. Donc, ce sont les trois. Là, ils arrivent devant le musée. Et à un moment, celui du milieu, là, qui est souvent le plus critique, il dit, c'est sûr, on va se faire têche à l'entrée. Alors, le copain, il lui répond, mais je l'ai regardé, c'est entrée libre et gratuite. Et il répond, mais mec, la rue, c'est entrée libre et gratuite, mais je me fais contrôler toutes les minutes. Bon, allez, alors, ils essayent quand même de rentrer dans le musée avec le petit commentaire. Je vous dis, les gars, on est un groupe de chips qui essaie de rentrer dans une boîte de macarons. Hein. Et bien entendu, il y a le vigile qui arrive, qui leur demande, vous cherchez quelque chose ? Alors là, ils ont un peu peur. Là, c'est la fille qui se met en avant déjà pour l'amadouer et qui dit « on vient à l'atelier de dessin, modèle vivant, à la salle Claude Monet, deuxième étage, LB. » Et alors, le vigile leur dit « c'est à droite, deuxième escalier, merci. » Donc, ils ont finalement réussi à rentrer. Et un des trois, il commente « on est peut-être des chips au milieu de macarons, mais à partir de maintenant, on sera toujours là, collé au fond de la boîte. » Donc voilà, en fait, le livre, il y a plein de situations comme ça, très concrètes de la vie et qui sont extrêmement réalistes, hein, que on se reconnaît vraiment là-dedans. On sent que, on voit ça et on se dit, la réalité, elle est comme ça. Et on prend vraiment conscience de beaucoup de choses. C'est une très bonne manière d'entrer en contact avec tous ces concepts qui parfois sont un peu compliqués à comprendre. Et c'est aussi à la fois aussi assez déroutant parce que ça nous invite à se voir soi-même, non ? Comme un produit, finalement, de notre classe, de notre environnement, et non pas comme une personnalité qui s'est construite soi-même, librement, comme on a tendance à vouloir se voir. Même si, encore une fois, ce sont là des généralités statistiques, individuellement, chacun est bien plus complexe. Et pour citer notre ami Tom, quand on discutait là-dessus, donc la dernière phrase, ça serait simplement dire « il ne faut pas en conclure un déterminisme absolu, mais plutôt une clé de compréhension sur comment on fonctionne soi-même, comment fonctionnent les autres autour de nous, afin d'en sortir justement des possibilités politiques. » Donc la distinction de Tiphaine Rivière, c'est vraiment très, très agréable à lire, et puis extrêmement intéressant. Merci Mathias pour cette belle BD, cette belle découverte. Effectivement, ça peut permettre de rendre des concepts plutôt complexes, mais de façon plus claire. Et je pense que c'est important ce que tu disais sur la fin et ce dont on avait parlé avec Tom l'autre jour, c'est que c'est important de voir ça comme étant une théorie qui peut expliquer certaines choses, mais c'est peut-être pas du A au Z, quoi, l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on peut aussi que ça de peut, toute la sociologie, quoi. Mm-hmm. Faut pas le prendre comme une fatalité parce que des fois on les sent, on se dit je suis tellement déterminé que ça sert à rien de penser, je suis un robot qui je fais exactement ce qui est décrit, d'où je viens et je pense, j'aime les choses, c'est pas parce que je les aime moi, c'est parce que je viens de là et c'est pour ça. Être un peu perturbant, mais voilà, faut pas le prendre comme ça, faut au contraire le prendre comme un outil justement pour transformer tout ça et pour se mobiliser pour un monde meilleur comme d'habitude.
Mais oui, je pense que c'est assez intéressant pour aussi un peu se faire réfléchir à pourquoi on fait les choses qu'on fait, qu'on aime les choses qu'on aime un peu. Ça permet de prendre un peu le contre-pied du coup et de se dire, bah écoute, ouais, peut-être que moi j'ai jamais eu accès à un musée, comme tu disais, tu vois, dans ma vie, peut-être à quoi ça ressemble vraiment et tout. On peut peut-être le voir aussi de cette façon-là, un peu plus optimiste, dans le sens où, ok, j'ai été peut-être déterminé d'une certaine façon, comme ça, dans ma vie, par ma classe sociale et tout, mais peut-être qu'en fait, justement, s'ouvrir à des choses qu'on connaît pas du tout, ce serait peut-être ça le bon réflexe, quoi. Je sais pas, hein, moi, je connais pas beaucoup la théorie de Bourdieu, mais en tout cas, ça me paraît vachement intéressant. Donc Et on fera ouais. un week-end à Prague, Nupes, je te ramènerai Ça marche, ça marche, ça marche. Écoute, je la lirai avec plaisir, hein, si c'est là-bas. clair, ça Super. c'est clair. Puis ça a l'air marrant en plus, franchement, ouais, ça a Ouais, l'air. voilà, en plus, il y a un côté léger. À la fois, il y a un côté léger. Alors, des fois, il cite Bourdieu. Et là, du coup, ça devient moins léger. La page, il faut la relire 5-6 fois. Mais au Je vois, contraire, à travers des situations comme ça, comme celle du musée ou plein d'autres situations qui sont montrées, là, on comprend je vois. Ouais. vraiment et c'est vraiment intéressant. Je vois, je vois, je vois. Ouais, là, on a Gaël qui nous dit la société est aussi là pour permettre à l'ouverture culturelle d'annuler le déterminisme. Ouais. Ça, ce serait effectivement complètement le but, quoi. Et d'essayer de casser un peu ces barrières qu'on a entre nous, quoi. Très chouette. Bon, bah écoute, du coup, merci Mathias, à toi. Est-ce que tu veux qu'on se remette un générique et on fait une conclusion? Allez, Voilà, on peut allez, faire vas-y, un petit ça. générique là. Allez, un petit générique, on les aime bien toujours. Hop, à tout de suite. Et voilà, nous revoilà du coup pour cette petite conclusion de cet épisode 25 d'Allo la NUPES. Bah écoute, ça m'a bien fait plaisir de faire cet épisode avec toi, Mathias. On était un peu en Également, comité également comme, restreint. hein? Voilà. Mais même si on était en comité restreint et qu'on avait que deux sujets, je pense on a fait une belle émission. Écoute, c'était des sujets très intéressants. Et bah écoute, ça nous permet de recommencer doucement l'année. Et voilà, donc écoute, Prochaine émission, ce sera sûrement début février, le voilà. 5 ou alors la semaine suivante, le 5 ou le Exactement. 12. Ça fera encore Exactement. qu'on On voit. essaie de plutôt faire une émission par mois maintenant, plutôt que deux. C'est un peu l'objectif, on va essayer comme ça, on va essayer de faire différents petits changements pour dynamiser un peu l'émission, et puis voilà, il faudra nous faire des retours. N'hésitez pas à regarder bah, les en direct, comme vous l'avez vu, c'est soit sur Twitch, soit sur YouTube. Mais sinon, en différé, vous pouvez re-regarder toutes les vidéos sur le compte YouTube. Et on a un compte Linktree pour avoir toutes les endroits où vous pouvez nous retrouver. Que ce soit les différentes plateformes Twitch, YouTube, podcast audio aussi, on a, et tous les réseaux sociaux qui sont liés à la circonscription d'Europe centrale, voilà, et de la NUP. Donc, bah Merci écoute, je beaucoup, pense merci que. Gaël pour les gentils commentaires. Ouais, merci à toutes et à tous d'avoir suivi, et bah écoutez, on vous le dit pour la dernière fois, bonne année. Bonne Voilà, année de la combat. dernière. Voilà, pour la dernière fois. Là, c'est fini, c'est terminé. Cette C'est année, le l'année 15 prochaine, janvier. Allez. Mais voilà, bon combat à toutes et à tous. On se retrouve plein d'énergie et plein de chroniques intéressantes toute cette année 2024. Et puis, on espère vous retrouver nombreuses. Voilà. Allez, merci Mathias, merci à Attends, toutes et à merci tous. comme À bonne bientôt. soirée. Ciao, ciao.
Hop.